particulier, nous ne sommes pas dans nos studios parisiens. Cette semaine, nous sommes à Lyon, au milieu des robots, Jérôme. Oui, François, il y en a partout des robots. Vous reconnaissez certainement derrière nous des visages connus, on va en parler tout à l'heure. C'est donc un 01 Live Hebdo très spécial, tu l'as dit. Un petit peu différent. T'as vu, on a Pepper. Oui, c'est lui-même. Et oui. Donc ce sera un petit peu différent des 01 Live habituels. Oui. Hein. On ne retrouvera pas nos amis du labo, il n'y aura pas non plus Delphine ce soir. Mais on va parler de plein de choses intéressantes puisqu'on va plonger dans le cœur des robots. Avec toutes les nouveautés qu'on a pu voir ici et des invités prestigieux, la maman de ce salon sera avec nous, Catherine Simon, dans un instant. Le papa des robots sera là aussi, Bruno Bonnel. Le papa Bonnel. Des robots, carrément. Amélie Charnet sera là aussi, journaliste à 01net.com. Elle a fait son petit marché. Ouais, et elle viendra nous raconter tout ce qu'elle a vu d'intéressant sur cette Tino Robot 2015. On va retrouver dans un instant la question orange. Oui. Et puis c'est un 01 Live Hebdo un peu spécial parce qu'on a une surprise pour vous dans un instant. Oui, on a une surprise. Vous savez qu'on est en direct, donc vous pouvez poser vos questions à nos invités. Vous êtes passionné par le robot, vous avez des questions. N'hésitez pas sur Twitter avec le hashtag 01 Live. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce 01 Live Hebdo exceptionnel. Bon, Jérôme, avant toute chose, avant de rentrer dans les robots, oui. Enfin, c'est une image bien sûr, je voulais vous dire une chose importante quand même. Vous savez que 01net.com fête ses 15 ans. D'accord. Déjà ? Eh oui. Alors, deux choses très importantes. La semaine prochaine, donc jeudi 9, entre 18h et 18h30, notez. Nous serons à La Défense. D'accord ? Pourquoi ? Et quel rapport ? Quel rapport ? Dans un magasin qui s'appelle Leek, qui est le magasin des objets connectés. Ouais. Et à cette occasion, nous allons faire une petite fête entre nous. Nous allons faire notre 01 Live Hebdo depuis le magasin Leek et on vous invite, vous qui êtes des fidèles internautes qui nous suivez régulièrement, à venir nous voir à La Défense. On aura l'occasion d'en reparler, mais ça, c'est la première chose. Ah, tu veux dire qu'ils peuvent venir physiquement ? Bien sûr, vous pouvez venir nous voir au magasin Leek à La Défense. Voilà, c'est juste en face de l'Apple Store. Si vous êtes perdu, comme ça, vous pourrez nous retrouver. Et puis la deuxième chose, là, qui s'adresse à tout le monde, où que vous soyez, c'est qu'on lance un grand concours à partir de demain avec non pas un PC, Jérôme, non pas deux PC, non pas cinq, non pas dix, mais 18 PC à gagner, les amis. Eh oui. Wow. Alors, dès demain, vous allez sur 01net.com, vous répondez à un quiz très rigolo qu'on a mis en place. Ouais. Voilà, c'est très drôle. Et si vous êtes parmi les meilleurs et si vous faites le moins de fautes possibles, vous remporterez l'un des PC offerts par notre partenaire pour ce concours. Il s'agit d'HP. Voilà, donc bonne chance. Rendez-vous demain sur 01net.com pour participer à ce quiz. Nous sommes donc au cœur du Salon InnoRobot 2015. Oui. Pour découvrir toutes les tendances actuelles des robots. Alors, les robots ici, il y en a partout. Hein. Quand on arrive, vous en avez qui vous filent entre les pattes, vous en avez qui vous filment, qui viennent vous dire bonjour. Oui, qui font même le café. On a vu des robots qui font le café. Là, c'est pas une expression, c'est vrai. Même qui trient le chocolat. Exactement, ça c'est impressionnant. Impressionnant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, on va vous parler de la question orange. C'est exactement ça. Voilà, tu as tout compris. Il est impressionné par les robots, j'y peux rien. Je suis très ému par les robots, mais toujours. Oui. Du coup, la question orange du jour, c'est à propos des robots. Êtes-vous prêt à acheter un robot domestique ? Oui, moi je le vois, il est là, le mien. Je repars avec d'ailleurs, dans le TGV. Si tu veux. Je sais il pas cher, si vous le laissez rentrer. Mais non, mais malheureusement, il n'est pas vendu en France. Ah, zut. C'est dommage. Parce que vous savez que des robots domestiques, ça commence, alors effectivement, Pepper qui est derrière nous est vendu depuis quelques jours au Japon. Donc est-ce que ça vous tente, un robot pour la maison, même si ils ne font pas encore grand-chose pour l'instant ? Oui, j'en rêve. Non, c'est inutile. Ou bien j'ai peur des robots. Alors pas du tout. Vous allez sur www.01net.tv.com pour voter et on fera un point tout à l'heure sur la question orange. Nos invités, tout de suite, Catherine Simon est là avec nous. Bonjour Catherine Simon. Bonjour. Je disais tout à l'heure, vous êtes la maman d'InnoRobot, hein, vous êtes la directrice de ce salon. Et nous avons aussi Bruno Bonnel. Bonjour. Qui lui, alors je disais le papa des robots, parce que c'est vrai que, bon voilà, vous suivez l'actualité des robots depuis de nombreuses années, Bruno. Et merci d'être avec nous ce avec soir. Avec plaisir. Le papa des robots. Ça me rappelle une chanson. C'est un éditeur important, mais ça me fait quand même beaucoup aujourd'hui. Ça rappellerait presque une chanson de Bobby Lapointe. C'était quoi, le papa des poissons ou un truc comme ça, je crois. Exactement. C'est Bobby Lapointe, il n'y a que toi qui connais. Enfin, je rappelle que le papa des poissons finit très mal. Hein. Ah oui, ouais. Alors on ne va pas épiloguer là-dessus. Catherine Simon, donc 9e édition, non 5e édition du Salon InnoRobot, pardon, qui grandit d'année en année. Alors racontez-nous, c'est un beau succès ce salon. Alors on a commencé, on était 80 exposants, oui. Une dizaine de nationalités. Aujourd'hui on en est à 200 exposants, 20 nationalités.
On a connu une croissance d'environ 20% par an, un petit peu comme le marché de la robotique qui s'étend, cette transformation qui émerge et qui va bientôt bouleverser nos vies. Très bien. Donc, alors, de 80 au tout début à 200 aujourd'hui, c'est ça, hein ? Oui. Comment ça évolue, ce salon, en fait ? Et à qui s'adresse ce salon ? Alors, ce salon, il s'adresse à tout le monde parce qu'aujourd'hui, la robotique, c'est le fait d'académiques, d'experts, qui ont une conscience sociale et sociétale et qui pensent qu'il faut informer les gens sur la robotique, à quoi ça sert, la robotique, comment ça peut nous aider dans nos vies, comment ça peut les transformer. Et donc, tous les professionnels de toutes les filières qui risquent ou pas d'être impactés par la robotique doivent venir pour s'informer dessus. Et c'est ouvert le troisième jour, donc demain, vendredi, au grand public. Au grand public. C'est vrai qu'il y a vraiment toutes sortes de robots. Il y a à la fois des robots industriels, alors c'est très sérieux, on imagine c'est ce qu'on va retrouver dans des chaînes de montage, c'est pas automobile ou autre. Il y a également quelques robots pour la maison, alors des robots d'accueil, des robots qui font pas encore grand-chose, il faut bien le dire, mais qui discutent, qui sont plutôt sympathiques, parce que finalement c'est un terme qui regroupe tellement de choses aujourd'hui, le mot robot. Hein. Mais c'est un petit peu comme le mot Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas parler à proprement parler d'une filière Internet. Tout Internet a transformé de nombreuses filières industrielles, de services et notre vie. Eh bien, c'est la même chose pour la robotique. Alors, bien sûr, ça commence par l'industrie. Au même titre que les ordinateurs sont rentrés d'abord dans le milieu professionnel et puis ils se sont démocratisés au fur et à mesure pour arriver dans nos vies. Cette robotique collaborative que vous voyez aujourd'hui au niveau industriel, ces robots qui s'habillent un petit peu en serveurs de café juste pour nous amuser, alors qu'aujourd'hui, ils sont réellement dans de l'industrie, ils vont arriver dans nos maisons au fur et à mesure qu'ils vont se diffuser et adopter de nouvelles fonctionnalités. Alors, quelles sont les tendances cette année dans ce domaine, aussi bien dans le domaine des robots industriels que des robots de service ou des robots grand public ? Alors, la première tendance, c'est qu'on a toujours cette énergie positive et de croissance entrepreneuriale. Voilà, ici, on est optimiste. Donc, ça fait plaisir à voir dans une France qui, parfois, est un petit peu désolée de son économie. Brille l'énergie positive, la croissance, l'innovation. La deuxième tendance, c'est bien sûr cette robotique collaborative dans l'industrie. Ce sont des robots qui s'adaptent, qui sont capables de collaborer avec l'homme, qui ne sont pas dangereux, qui sont là pour enlever ces tâches que finalement on n'a pas très envie de faire, répétitives, etc., pour nous libérer du temps, pour faire des tâches qui ont du sens pour nous, des tâches de créativité, des tâches humaines, des tâches de relation. Bruno Bonnel, le robot collaboratif, c'est une notion que vous défendez depuis longtemps, c'est le fameux concept de Kobo, le collègue robot. C'est sympa, ça fait rêver, mais je vous signale qu'il y a un fait divers tragique qu'on a appris ce matin, puisque dans une usine allemande, un ouvrier a été tué par un robot. Alors, c'est pas de très très bon augure, ça. Alors justement, c'est un très bon exemple de cette fameuse robotique collaborative. C'est que le robot, la machine en fait, qui malheureusement a tué cet ouvrier, est une machine de modèle passé qui fonctionnait justement pas contre les hommes, mais à côté des hommes, pas en association avec eux. Il aurait tout aussi bien être blessé comme ou tué par un camion ou par un autre type de machine. Ce qui est un peu agaçant de temps en temps... Donc pour vous, c'est qu'une machine, c'est pas un robot ? Ce qui est un petit peu agaçant, c'est parce que c'est un robot qui a, pour une raison technique, une défaillance, et que ce n'est pas, par exemple, les freins d'un camion, alors ça fait la une des journaux. Il y a malheureusement un taux important d'accidents du travail aujourd'hui par des machines, et on s'y est malheureusement habitué. Mais c'est la faute à qui, là ? La faute au robot ou la faute à l'homme ? Je pense que c'est la faute au fantasme qu'on a sur la robotique. C'est-à-dire que ce fantasme... Non, mais l'accident, Bruno, l'accident. Non, l'accident tel que moi j'ai pu le voir, c'est une faute qui est difficile à déterminer, qui est très probablement due à un défaut de sécurité. Et ce défaut de sécurité, c'est un mélange entre un homme qui était mal placé et peut-être un bug informatique. C'est-à-dire qu'il est rentré dans ce qu'on appelle la cage du robot. Exactement. Il est rentré là où il n'aurait pas dû être. Il n'y a pas des détecteurs, excusez-moi, je vous coupe, mais il n'y a pas des systèmes de sécurité qui détectent, par exemple, une présence dans cette fameuse cage, hein, qui est un peu le périmètre interdit pour un humain. Et malgré tout, le système s'est mis en route. Donc il y a des détecteurs, mais on peut les débrayer.
Et généralement, pour une raison, voire aller plus vite, par habitude, généralement, les accidents du travail arrivent toujours sur des gestes qu'on a l'habitude de faire. Eh bien, ils sont débrayables. Il est rentré, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui est vraiment difficile à voir, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le mot robot recouvre beaucoup de choses. Et c'est comme si on avait dit, l'Internet a tué quelqu'un, comme disait Catherine tout à l'heure. Non, bien sûr. Il peut y avoir, malheureusement, des machines qui ont des défaillances. Combien il y a de robots qui sont justement en fonction aujourd'hui dans ces usines qui fabriquent des voitures et d'autres produits industriels ? Ça dépend des territoires. C'est beaucoup, mais c'est des centaines de milliers de robots. Voilà. Il n'y a heureusement pas des centaines de milliers d'accidents. Donc, il faut tout ramener à son échelle. Et les robots d'aujourd'hui ont des sécurités bien supérieures. Vous avez sur le salon, par exemple, des robots qui on ne peut plus se pincer avec. C'est-à-dire que leur design a été fait pour que, quelle que soit la position qu'ils prennent, on ne peut plus se coincer les doigts. Ils sont dotés de capteurs sous le métal pour que si on les bloque, ils s'arrêtent automatiquement. Donc il y a quand même, on progresse énormément. C'est dans ça le Kubo, c'est-à-dire que c'est le robot qui pourrait travailler vraiment complètement avec l'homme à côté sans de nous et qui, par exemple, risque. S'il avait un geste un peu rapide vers votre visage, vous pouvez l'arrêter, il s'arrêtera instantanément. Mais alors, je discutais avec un industriel tout à l'heure qui me disait exactement ça, ce robot-là ne fera pas de mal à un homme. Le problème, c'est qu'il est moins précis, moins rapide que les robots qui sont sous cage et qui, eux, sont, parfois vont à toute vitesse. C'est impressionnant, mais évidemment, parce qu'on a cherché aujourd'hui en robotique, au départ, on a cherché à monter l'efficacité du geste. Aujourd'hui, on cherche à réinventer le geste, quelque chose d'encore plus intéressant. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'essayer d'aller plus vite sur un geste qu'on connaissait, mais de trouver un système robotique. Je vais vous donner un exemple. J'ai visité une usine chez un grand constructeur automobile japonais. Il y a 5000 robots et 1500 ouvriers. Beaucoup plus de robots que d'ouvriers, en fait. Et les ouvriers passent d'ailleurs la plupart de leur temps à maintenir les robots pour être sûr qu'ils fonctionnent 24 heures sur 24. Mais l'information importante, elle n'est pas là. C'est que pour placer les 5 roues d'une voiture, plus le pot d'échappement et le carter du moteur, il faut 7 secondes au robot. Wow. Alors que le faire par l'humain, on aurait pu certainement faire des gestes accélérés. On n'aurait jamais atteint ces niveaux-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une réinvention, il y a un nouveau design industriel au sens de la démarche design qui se fait avec la robotique. Hashtag 01 Live, si vous voulez poser vos questions à Bruno Bonnel ou à Catherine Simon, la directrice d'InnoRobo. Alors, on a parlé des robots industriels qui progressent. On a moins l'impression de voir ces progrès pour les robots qu'on pourrait avoir chez nous. Alors, bien sûr, il y a Pepper qui est la figure emblématique et qu'on connaît depuis plusieurs années. Bruno, est-ce qu'il y a d'autres robots émergents qui pourraient arriver demain chez nous ? Ou est-ce que ça reste encore un fantasme ? Alors, le mot fantasme est juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours cet idéal qui est répété par la science-fiction et par les films de cet humanoïde qui remplacerait l'homme, qui date d'il y a très très longtemps et qui durera encore probablement longtemps. Là où on voit des choses plus intéressantes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des robots qui sont définis par leurs usages, qui rendent des services et qui sont adoptés par les gens. Deux chiffres. Le marché du robot aspirateur en 2014, au niveau européen, représente 7% du marché des aspirateurs. Il était inexistant il y a 6 ans. C'est-à-dire qu'on est à 7% de pénétration. Ça veut dire qu'on parle, parle en Europe, par exemple, cette année, de 1 million de robots aspirateurs vendus, juste sur l'Europe. Et au niveau international, on peut facilement doubler, voire tripler ce chiffre si on inclut les territoires asiatiques. Donc, je crois qu'il faut, être raisonnable. Le grand public achète des robots quand il leur trouve du sens et qu'il a un bon rapport qualité-prix. Là où on voit des choses bouger, dans des robots de purification d'air, sont de plus en plus demandés, qui est un vrai sujet sociétal. Pas très loin de vous, d'ailleurs. Il est juste derrière vous, effectivement. On a également, dans le domaine de la téléprésence, cette nouvelle manière de communiquer qui associe la voix, l'image et la mobilité. Ce sont des secteurs qui commencent à bouger. C'est certainement un cheval de Troie intéressant demain de la robotique. Donc là, on commence à voir que les gens s'habituent à avoir plusieurs types de robots. D'ailleurs, j'ai plutôt dit, depuis que j'en parle, qu'il y aurait plusieurs robots dédiés à des usages spécifiques dans les maisons qu'un robot universel. Je ne crois pas au grand soir de la robotique. Alors après, on peut compléter Catherine ça Simon. Par les Catherine robots Simon. Sociaux qui aujourd'hui s'intéressent à de l'interaction avec l'être humain, donc l'interface homme-machine, mais en même temps qui sont programmables au même titre qu'une tablette ou qu'un téléphone. Vous pouvez télécharger des applications. Donc avec un certain nombre de capacités sensorimotrices, donc des capteurs, une capacité à ressentir son environnement et une certaine motricité, que ce soit des bras, que ce soit de la mobilité avec des roulettes,
vous allez pouvoir télécharger un certain nombre d'applications nouvelles. L'exemple aujourd'hui sur le salon InnoRobot, c'est le robot Buddy, B-U-D-D-Y pour ceux qui veulent regarder sur Internet, qui est un robot social d'interaction qui est programmé avec un programme qui s'appelle Unity 3D, que tous les développeurs du web et de la téléphonie mobile connaissent. Alors, question, on a beaucoup de questions sur le hashtag Zéro Live, comme par exemple, on demande des questions de tarifs, mais c'est un peu compliqué. Un robot, ça peut coûter quelques dizaines d'euros si on prend un jouet, jusqu'à quelques centaines de milliers, voire plus. C'est intéressant ça, François, parce que Pepper, qui est derrière nous, il coûte 1000 euros, 1000 dollars à peu près, je crois. Oui. Et il faut dire que... 2000. Ouais. Il a augmenté depuis que c'est le succès. Et surtout, il vient de s'en vendre récemment au Japon, puisqu'il est commercialisé depuis quelques semaines au Japon. 1 millier d'unités en à peine une minute à l'ouverture des ventes sur Internet. C'est quand même extraordinaire. Alors, d'un côté, c'est extraordinaire. D'un côté, c'est pas beaucoup, 1000 euros. Et puis, c'est quand même 1000 unités, sur un marché au Japon. Les Japonais sont fascinés par les robots, Bruno Bonnel. Et où il y a 180 millions de personnes. Mais effectivement, il s'est vendu 1000 Pepper en une seconde et en une minute, pardon, et c'est formidable. Alors qu'il fait rien, Pepper. Enfin, il fait la conversation, quoi. De la même manière que peuvent se vendre 500 Ferrari. Probablement au niveau international en quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a toujours une clientèle pour un produit qui est en attente et qui est là. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut négliger ce phénomène. Ça veut dire qu'il y a une volonté, il y a une appétence pour les robots qui arrivent. Mais pour répondre à vos questions sur le prix, on va rentrer dans les critères de consommateurs grand public classiques. Tant que les robots ne seront pas effectivement dans des tranches de prix comprises entre 400, 500 et 1000 euros, il y aura plus de difficultés à les faire rentrer dans les foyers. Il y a des questions évidemment inévitables et intéressantes sur l'emploi. Est-ce que les robots vont piquer la place des humains? Est-ce qu'ils vont prendre la place des ouvriers dans les usines? Est-ce que les ouvriers vont se transformer en agents de maintenance des robots? On ne peut pas l'éluder cette question. Oui, il va y avoir des emplois détruits inévitablement, Catherine Simon. Alors moi je pense qu'entre à court et moyen terme, ceux qui adoptent la robotique dans leur industrie gagnent en compétitivité, ne délocalisent pas, ont de la potentielle croissance par l'innovation, et que de refuser cette productivité et ces gains de productivité possibles, c'est une erreur pour l'emploi. C'est une erreur au niveau d'un territoire. En revanche, à long terme, je pense que ça va profondément transformer, voire éliminer un certain nombre de métiers, avec l'espoir, bien sûr, comme l'automobile a créé énormément de métiers, par contre, a un petit peu supprimé le métier du cheval, hein, soyons bien clairs. Oui. Va y avoir énormément de métiers qui vont être inventés et qui vont permettre de transformer nos vies, nos métiers, notre façon de travailler. Et puis après, on peut aussi se poser la question plus fondamentale de pourquoi on est sur Terre. Aujourd'hui, j'avais un Américain qui a posé la question dans un workshop de « mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que j'ai besoin de robots pour s'occuper de ma maman pendant que moi je vais travailler ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un robot qui aille travailler à ma place ?» pendant que moi je m'occupe de ma maman? Et bien sincèrement, je pense qu'il vaut mieux s'occuper de sa maman et puis avoir un robot qui fasse mon travail. C'est une vraie question. Mais donc de fond. C'est le robot qui touche le salaire alors à ce moment-là? Non, bah, vous savez quoi? Par exemple, on prend le système des taxis. Non, mais ça pose plein de questions, mine de rien. Les taxis, aujourd'hui, ils luttent contre Uber. Alors je suis un petit peu désolée pour eux parce que dans 30 ou 40 ans, on ne conduira plus nos voitures. Bien sûr, oui, c'est bien sûr. Les voitures seront autonomes. Alors, sans doute même avant. Peut-être même avant, hein, 30 ou 40 ans. Je pense que ça prendra 30 ou 40 ans et puis on aura une période chaotique où les deux systèmes vont coexister. Oui. Mais on peut supprimer le mot accident de voiture de notre vocabulaire et ça, c'est plutôt une bonne chose. On lutte contre les accidents de voiture, ça, c'est une première chose. En plus, est-ce que les chauffeurs de taxi, ils aiment vraiment rester 7 heures par jour dans leur voiture, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, voir des clients? Pas forcément non plus. Alors pourquoi ils ne seraient pas propriétaires d'une flotte de véhicules autonomes et ils pourraient apporter, soit ils sont dedans et ils apportent un autre service, soit ils sont pas dedans, ils recueillent le fruit du travail de leur robot et ils s'occupent de leur maman. Et bien voilà. Voilà de quoi on parle à InnoRobot 2015. Merci beaucoup Catherine Simon d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes la directrice de ce salon InnoRobot qui se termine demain, demain à 17h. Et ouvert demain pour le public. Demain ouvert au grand public. On va faire un petit tour côté de la question Zéronet Orange du jour. Êtes-vous prêt à acheter un robot domestique? Oui, j'en rêve à 53%. C'est pas mal, oui. Hein, quand même. Ah, c'est bien.
Oui. Non, c'est inutile, 31%, ou bien 8% qui ne se sont pas encore fait un avis, et 7% qui déclarent avoir peur des robots. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir dans un petit instant. On va poursuivre sur les robots. On va changer d'invité. Catherine va nous laisser et Amélie Charnet va nous prendre sa place. On va poursuivre avec les robots. Vous êtes très nombreux à nous demander justement quels sont les modèles présentés ici. Ben, on va faire un petit ouais. point. On a vu des trucs très sympas. On va vous raconter tout ça. Alors, je ne sais pas si Jean-David nous met un petit jingle ou on enchaîne tout de suite. Allez, un petit jingle et on revient. Voilà, normalement à ce store-là, on a Delphine Sabatier, ou voilà. On a nos amis du labo. Bon, alors on vous l'a dit, c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais néanmoins, Amélie Charnet de 01net.com est avec nous puisqu'elle est venue faire son marché de robots. Salut, tout à Amélie. Fait, bonsoir. Bonsoir. Alors, Amélie, juste avant toute chose, vous êtes venue avec cette espèce d'araignée un peu étonnante, qui fait un peu peur. Je vous présente Brutus. Ah, c'est son nom. Voilà, c'est mignon. Plus mais alors, en français, il s'appellera Brut, ce qui est beaucoup moins charmant tout de suite. C'est beaucoup mieux. Alors, vous savez quoi ? On va le soulever. Hop là. Il faut qu'on le voit mieux, là. Et alors, un heureux hasard a fait qu'il vient de remporter le concours des startups, en fait. Oui. Donc, on l'avait sélectionné à juste titre. Et c'est un concept que je trouve à la fois génial et très divertissant parce que c'est à mi-chemin entre le jeu vidéo et le jouet. Alors, j'explique. C'est un robot... Ça chauffe un peu, hein, quand même. Hein. Ça chauffe un peu, c'est un prototype. Hein. Ah, c'est pour ça. Alors, vous avez exposé entre les mains, les amis. C'est donc un robot de combat, oui. Mais pas pour faire la guerre, pour jouer, et qu'on commande avec son smartphone ou sa tablette. D'accord. Via une application. Donc, il est connecté en Bluetooth. Il a une caméra, il a des capteurs. Ce qui est génial, c'est que donc, on peut, sur l'application, acheter des armes, acheter des accessoires. C'est génial, à la fois virtuel, mais aussi réel. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut lui rajouter des coques. Et ces coques, elles ne sont pas cosmétiques, ce n'est pas un habillage. Elles vont vraiment avoir un impact sur ses fonctionnalités. Et on peut jouer, je crois, jusqu'à 5... il peut combattre jusqu'à 5 adversaires en même temps. Donc, c'est moitié réel, moitié virtuel. Hein. Voilà. Et alors, c'est des Britanniques qui ont développé cette start-up. Ils sont 5. Il y a un Français dedans, Cocorico. Et ils ont été incubés par Qualcomm à San Diego, là. Et donc, ils sont en plein développement. Pour l'instant, ça n'est qu'un prototype. Mais ils voudraient le commercialiser pour Noël 2016, environ à $149. D'accord. Donc, c'est pas sorti encore. Voilà. Et puis, ça devient quand même assez raisonnable, $149 pour un mélange de jeux physiques et de jeux... on va dire virtuel, de jeux vidéo. Ils ont plein d'idées parce qu'après, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir le commander avec un casque de réalité virtuelle, pousser jusqu'au bout le concept. Pourquoi pas vendre une licence à Disney et puis faire des films derrière. Ah oui, ils sont plein d'ambition. Ça n'a pas de limite. Ah oui, bien sûr. Tiens, sur le hashtag 01Live, on parlait tout à l'heure de Pepper. Si Pepper sort en France à 1 500 €, je l'achète dans la minute. Eh ben voilà. Est-ce qu'on a une date de sortie en France de Pepper, Bruno? Pas que je sache. Pas que je sache. Et... il y a quand même encore des progrès à faire sur les volumes de fabrication. Il y a beaucoup de demandes en Asie. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Voilà, parce que rappelons qu'Aldébaran maintenant est une entreprise qui est japonaise. Tenue à capitaux japonais. Et les équipes de développement sont toujours en France. Oui. C'est plutôt rassurant jusqu'à maintenant. Voilà, c'est pour une l'instant. Grosse banque. SoftBank. SoftBank, oui. Très bien. Ouais. Parfait. Bien, Amélie, autre chose peut-être. Petit ménage, oui. Petit. Alors, moi, j'aime bien Gaïa. Ah, what is Gaïa? Donc, Gaïa. En fait, c'est encore un prototype. Je ne sais pas si on peut voir les images. Je ne sais pas si on a des images, je ne crois pas. Ils appellent ça, eux, un cyborg végétal. Mais pour résumer simplement, c'est un pot de fleurs mobile. Oui, le voilà, on a les images. Ah, formidable. Voilà. Notre JRI magique, JD, est tombé amoureux de ce produit. Il voulait repartir avec. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un pot de fleurs? Un pot de fleurs mobile, bourré de capteurs. Avec une roue. Ouais. Avec deux roues. Ces capteurs détectent si la plante a besoin de soleil, besoin d'ombre, si elle a besoin d'eau, si elle a besoin de changer la terre et si l'air ne lui convient pas. Et en fonction de ça, elle va se déplacer toute seule. Donc pour les fainéants, c'est-à-dire elle va aller vers la lumière, par exemple. Elle va aller vers la lumière ou vers l'ombre. C'est génial, alors, le concept n'est pas encore tout à fait abouti parce qu'ils ont développé deux produits différents en même temps. Il y en a un qui est un peu plus avancé, qui est un pot de fleurs mobile bourré de capteurs. Immobile.
Celui-là, ils réfléchissent encore, par exemple, pour l'alimentation en eau, à doter la station de recharge de la batterie d'un réservoir en eau. Où, du coup, ils feraient les deux en même temps. Ils se rechargeraient et ils pourraient donc s'alimenter en ça eau. Ça me rappelle un produit Parrot, ça. Hein oui, alors évidemment, je leur ai demandé si ça ressemblait un peu au Flower pas, Power. Lui, pour eux, ce n'est pas du tout la même chose, parce que le Flower Power, il s'insère dans la terre. Mmh. Là, c'est vraiment le contenant et le contenu en même temps. Ouais. Non, c'est une bonne idée. Question, j'allais dire, on a plein d'autres robots dont on ne va pas pouvoir vous parler tout de suite. En revanche, on vous a d'ores et déjà préparé des vidéos qui seront en ligne ce week-end ou la semaine prochaine. Et c'est vraiment à voir, il y a des choses étonnantes. Oui, notamment chocolat, retenez ce mot. Hashtag chocolat, vous ne serez pas déçus. Bruno Bonnel, parce que c'est vrai qu'on parle de robots multitâches, par exemple. C'est vrai que Pepper fait plein de choses, etc. Mais on a l'impression que ça avance beaucoup plus vite sur ces robots bonotâches, par exemple. Ce pot de fleurs qui a une roue intégrée, qui va faire qu'une seule chose, mais qui va la faire bien. Est-ce que c'est pas ça finalement l'avenir de la robotique, c'est d'avoir un produit connecté robotique qui fera qu'une chose, mais bien? En fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a vu se développer par exemple le marché de l'électroménager, on n'a pas inventé une machine qui lave en même temps le cristal le matin et les chaussettes le soir. On a eu d'un côté une machine à laver le linge, l'autre côté une machine à laver la vaisselle. On n'a pas inventé une gazinière bon frigidaire. Ouais. Et là, c'est un petit peu le défaut de beaucoup de designers en robotique. On essaie de faire tout et n'importe quoi parce qu'on a toujours ce fantasme du robot avatar de l'homme. Du robot humanoïde, ou même qui a cette espèce de capacité à faire plusieurs tâches comme l'être humain. Il faut revenir à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'il y a des usages, il y a des besoins, qui sont d'ailleurs des besoins mal exprimés parce que mal envisagés par le grand public. Quand on a dit on va sortir un robot aspirateur, on a dit mais à quoi ça peut bien servir ce truc. Puis finalement, ça fait la maille, on est intéressé, on achète. Donc là, il faut bien comprendre qu'effectivement, le pot de fleurs robotique, c'est presque poétique, un pot de fleurs robotique, parce que ça fait voyager les plantes. Un truc, quand on est un végétal, j'ai parlé à beaucoup d'arbres, c'est qu'ils ne peuvent pas bouger. Là, on leur dit, ça y est, vous pouvez visiter le monde. Ils prennent racine, les arbres, c'est ça le problème. Mais plus intéressant. Imagine le marché, une agence de voyage pour arbres, par exemple. Mais plus intéressant et tout aussi sérieux, beaucoup plus sérieux, c'est les handicapés aujourd'hui, grâce aux robots de téléprésence qu'on leur propose, ils visitent les musées, ils suivent les cours. Ouais. Ils vont ailleurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent voyager le monde à travers une robotique. Là, il y a un marché de demande. C'est pour ça que je vous dis, je pense que quand la région Rhône-Alpes, par exemple, a installé le robot lycéen pour des élèves qui étaient leucémiques dans des bulles, pour qu'ils puissent continuer à suivre les cours dans leur lycée avec leurs copains, c'est la même logique finalement que de faire transporter un arbre, parce que malheureusement, c'est des gens qui ne peuvent pas bouger, mais heureusement, ça sert beaucoup plus l'humain. Est-ce que finalement, ce n'est pas un objet connecté, c'est plus un robot, ça, non? La définition d'un robot, selon la Viva la Révolution, qu'il faut lire, de Bruno Bonnel, qui est un ouvrage de référence, que je vais d'ailleurs bientôt mettre gratuitement en ligne. Ça sera simple, dans les toutes prochaines semaines. On n'aura plus de mauvaises excuses pour ne pas le lire. Voilà, dans toutes les toutes prochaines semaines, il sera gratuitement en ligne. Mais... Je précise qu'un robot, c'est quoi? C'est une machine savante. C'est pour ça que je n'utilise pas le mot intelligence artificielle. C'est une machine savante, comme un singe savant, qui a des capteurs pour capter son environnement, des processeurs pour prendre une décision par rapport aux paramètres qu'il collecte, et enfin, des actionneurs. Donc la différence avec l'objet connecté, c'est que l'objet connecté, c'est un proto-robot. Il a les capteurs, il a les processeurs, il n'a pas les actionneurs. Alors, on est presque à la fin de ce Zéro en Live, mais il y avait une question finalement, Bruno Bonnel, vous, le robot humanoïde, vous n'y croyez pas tellement, donc le robot Terminator, c'est Yoni Pilo qui nous demande ça sur Twitter, est-ce que ça peut exister un jour? C'est-à-dire vraiment, non seulement il a l'apparence humaine, mais en plus il a des super pouvoirs, il peut se transformer, il a une super force, etc. Il pourrait être gouverneur de Californie aussi, accessoirement. Le robot Schwarzenegger, à mon avis, c'est un rêve, il y aura des clones de Schwarzenegger humains avant qu'il y ait des humanoïdes comme Schwarzenegger, ça c'est, j'en suis certain. Par contre... Le robot Terminator capable d'annihiler l'être humain en le repérant et en le tirant comme un lapin, c'est malheureusement des choses qui sont étudiées actuellement et qu'il faut que le monde entier décide de ne pas faire. Parce que ce seraient des armes redoutables. On a déjà beaucoup parlé des drones. Est-ce qu'ils peuvent tirer? Est-ce qu'ils ont le droit ou pas de tirer? Eh bien, sur les champs d'opération aujourd'hui, on a des technologies qui pourraient très bien, qui ne seront pas du tout humanoïdes d'ailleurs, qui ressembleront probablement à des espèces de boîtes qui sont capables de tirer très vite et très fort, mais en ciblant des êtres humains, ça je pense que c'est une très mauvaise idée pour la robotique demain. Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas le droit de tirer, mais jusqu'à quand? Ils n'ont pas le droit. Le piratage dans tout ça. Si demain, on voit des trucs incroyables, insensés en ce moment dans notre monde, si demain, un pirate arrive à prendre
contrôle de ce genre d'appareils, enfin de robots qui peuvent tuer des gens. C'est un problème majeur parce que ça peut être beaucoup plus simple que ça. Quelqu'un qui fait voler un drone et qui le fait chuter de 50 mètres sur la tête de quelqu'un le tuera. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui dans le cadre justement du plan robotique sur la cybersécurité où les pays vont devoir s'organiser parce que les lignes Maginot de protection ne serviront plus à rien. Le monde est passé en 3D. Il va falloir qu'on invente une sécurité supplémentaire. Juste un dernier mot sur InnoRobot, Bruno, que vous suivez depuis de nombreuses années, parce qu'en plus vous êtes ici à Lyon. Malgré tout, on ne voit pas beaucoup d'acteurs américains, les Google, les DARPA, les Boston, etc., qui font des choses incroyables avec ces images qu'on avait vues d'ailleurs dans Zéro à la Hebdo il y a quelques mois de cela, ces chiens qui avancent incroyablement vite et de manière très efficace. Pourquoi ne sont-ils pas là à Lyon, ces gens-là ? Tout simplement parce que sur la carte du monde, l'Europe des Américains est simplement un marché. Il n'y a pas de reconnaissance. Ils ne sont pas plus à Automatica ou ils ne sont pas plus dans les autres salons industriels. Ils restent sur leur territoire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce n'est pas eux qui sont paradoxalement les plus avancés, même s'ils savent bien communiquer. Les chercheurs français, les chercheurs asiatiques, qui eux sont à InnoRobot, montrent des choses qui sont beaucoup plus spectaculaires. Donc on est aussi bons qu'eux ? Il y avait quand même beaucoup d'Américains, je trouve, cette année. Plus que d'habitude. Il y avait Racing Robotics, il y avait Rodney Brooks, qui est pas au départ américain, mais qui est australien, je crois. Et il y avait quand même... Je trouve que ça s'internationalise énormément, InnoRobot. Non, ça s'internationalise, mais c'est vrai que les grandes sociétés qui s'affirment dans la robotique ne venaient pas. Maintenant, quand on voit des stars comme Rodney qui viennent, on peut s'attendre à ce que InnoRobot devienne le Festival de Cannes de la robotique. Ça serait chouette. Ça serait pas mal. Parfait. Merci beaucoup Bruno Bonnel. Merci Bruno Bonnel d'avoir été avec nous en direct d'InnoRobot Lyon. Merci Amélie Charnay. Merci à vous de nous avoir suivis. Un dernier détour par la question orange. Allez, la question 0net orange. Êtes-vous prêt à acheter un robot domestique ? Alors on voit que sur Twitter, il y en a certains qui sont prêts à se l'offrir. Qu'est-ce que ça donne sur notre sondage ? Oui, j'en rêve, 56,2%. Mais ouais. Non, c'est inutile, 31%, 30,5%. J'ai peur des robots, 6,6%. Ça descend. Ça descend. Vous les avez rassurés. Majorité, 56% qui sont prêts à acheter un robot domestique. Génial. Il y a des trucs à faire. Hein. On est prêt à leur vendre. C'est plutôt positif. Voilà, ça sera le mot de la fin de ce Zéro à la Hebdo depuis Lyon, depuis ce salon InnoRobot qui est ouvert d'ailleurs si vous êtes dans la région lyonnaise demain au grand public. Voilà, exactement, demain toute la journée. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-David Duart qui a assuré la réalisation technique ici à Lyon. Et puis on se retrouve très très vite sur Zéronet TV. Voilà, on va donner une petite éponge à Jean-David qui commence un petit peu à transpirer là. N'oubliez pas demain, hein, donc demain matin sur Zéronet.com, ce grand quiz avec tous ces PC HP à gagner. N'hésitez pas à participer, le quiz en plus est très sympa. Bonne soirée à tous et à demain. Salut à tous. C'est bon ? Yes. Je me sauve comme un voleur, là. Je suis désolé, j'ai attendu à l'ombre de Lyon. Merci. Salut, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. À l'année prochaine. C'était super. Bah, j'espère. Vous êtes là demain ? Non, vous n'êtes pas là demain. Non, ça va ce soir. Donc, bien. Merci vous beaucoup. Vous avez écouté les Lyonnaises ? Même pas. On aurait bien aimé. Même pas. La prochaine fois. Vous aviez le fantasme ?